voilà, tranquille. On y va pour cette nouvelle émission de mots de passe. Tranquillement, c'est un jeu, on est là pour se divertir. J'espère que vous avez passé toutes et tous une bonne journée d'été ou alors peut-être au travail, peut-être en vacances. Quoi qu'il en soit, vous le savez, du lundi au vendredi, entre 19h et 20h, ici, ce sont toujours les vacances, car on se divertit, on s'amuse avec Michel et Charles. Michel, vous venez de l'Hérault. Exactement, à Montpellier, qui est la capitale de l'Hérault. Hein, magnifique voilà. Ville. C'est la première fois que vous passez à la télévision? Oui. C'est la première fois? Eh oui. Et vous avez attendu 4 fois 20 ans pour passer à la télévision? Exact. Dites donc, on vous applaudit. Hein. Avant, vous aviez le trac. Oui, maintenant, je ne l'ai plus. Hein. À partir d'un certain âge, on est très décontracté. Bien sûr. Bon, tout va bien. Mais vous regardez l'émission à la télévision. Ah, bien sûr. Vous êtes une bonne téléspectatrice. C'est pour ça que j'ai eu envie de venir. Voilà, vous avez des enfants? J'en ai encore 3. 7 petits-enfants, plus 4 qu'on m'a rajouté. Et 4 arrière-petits-enfants. 4 arrière-petits-enfants. Chapeau, hein. Paraît-il que dans l'Hérault, on vous appelle la mère Michel. Oui. Tiens, cette j'aime femme pas les chats. Extrêmement généreuse. Vous n'aimez pas les chats? Pourquoi? Parce que ça me fait redresser les poils. Ah oui, mais il y a pas mal de gens comme ça qui... Ah oui, un chat, moi, c'est horrible. Et pourtant, c'est sympa, un chat. Ah non, mais c'est très mignon, mais rien que d'en parler. Parlons des chats jusqu'à 20h, hein, voilà, tranquillement. Je vous présente quand même votre adversaire, car il faut l'appeler comme ça. Il s'appelle Charles, il est comédien, vous êtes tout jeune, hein? 31 ans. Vous jouez en ce moment à Paris? Oui, 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 au Funambule, un air de famille. Et après, au mois d'octobre, vous serez où? Au petit gymnase, pour la souricière d'Agatha Christie. Très bien, bonne chance pour votre carrière de comédien. Bah, hein, voilà. On va tout de suite appeler nos deux invités. Il s'agit de Madame Patricia Loison et de Monsieur Bruno Guillon. Voilà. Alors, on est là en famille, tranquillement. Ouais, ben j'allais me casser la figure. Ben évidemment, il faut le dire, j'allais me casser la figure. Et l'émission n'aurait pas eu lieu. Parce que animateur. Oh. Mais, tout d'un coup, je me suis rétabli. Avec la souplesse. Et j'arrive. Patricia, je suis totalement heureux et toute l'équipe de vous accueillir dans cette émission. Moi, je sais pas, mais on va voir. Elle me dit juste avant de commencer l'émission, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie. Elle me dit, j'ai le trac et j'espère que je vais réussir parce que sinon, ma mère ne sera pas contente. Exactement, ma mère, mon père, mes oncles, mes tantes. Vivement le JT, moi, je dirais, Patricia. Bon, alors, non. On est cool, tout va bien. Il y a des choses, en revanche, qu'on ne peut pas faire dans cette émission. Pas de mots composés, pas de mots de la même famille, pas de mots qui commencent par le même son et pas de mime, sinon on entend... Là, le mot est bipé. Vous allez avoir des manches de qualification. Tout le monde connaît par cœur les règles. Donc, c'est Patricia qui va commencer. 5 mots à faire deviner au maximum. Alors, quand on commence pour la première fois, quand on vient dans l'émission, je rappelle que dans les manches de qualification, quand un mot ne vous inspire pas, les uns et les autres, vous passez, le mot va revenir dans le laps de temps des 30 secondes. Ne vous occupez pas mal l'esprit avec comment je peux le faire deviner. Il ne vous inspire pas, vous passez à autre chose. On est d'accord? C'est à toi. Vin. Bière. Contenant. Bouteille. Capitale. Paris. Habitant. Parisien. Chaussures. Pantoufles. Réparer. Cordonnier. Boutique. Cordonnerie. Agrandir. Réduire. Synonyme. Réduction. Petit. Diminuer. Synonyme. Bien joué, hein. Hey. 3 sur 5, c'est bien joué. Avec bouteille parisien et cordonnerie, il s'agissait du verbe rétrécir. Mais en tout cas, c'est bien joué, 3 sur 5. Bon début. Oui. Bon début. Alors, Bruno Guillon, que vous retrouvez tous les matins sur Fun Radio dès 6h. À la rentrée. À la rentrée. À la vacances pour l'instant. Non, bah, on voit bien. Tu viens en chemise. Il y a une heure, j'étais en maillot de bain. Ah oui, mais franchement. Vous avez de la chance, vous en savez bien. Merci beaucoup. Michel, vous allez essayer de deviner les mots donc de Bruno. 5 mots, 30 secondes, c'est parti. «
Pièce. Salon. Rangement. Dressing. Argent. Banque. Cochon. Tirelire. Hammam. Sauna. Vitesse. Accélération. Réduire. Frein. Panneau. Limitation. Footballeur. Sportif. Eric. Cantona. Eux. Nous. Vous jouez bien tous les deux. Vous jouez bien tous les deux. Et c'est ce que j'aime dans ce jeu. Moi, je trouve que ce jeu, il est très familial, très intergénérationnel. On a un candidat, là, Charles, qui a 31 ans. Vous, je peux dire votre âge. Ah oui, j'ai pas. Hein, dans les 4 fois 20, hein, 80. Bientôt 80. Hein. Voilà, bon, bientôt... Ben, heureusement, hein. Heureusement, puis j'espère bientôt 82, puis bientôt 83. Et Bruno Guillon... 72. 72. Mais par voilà. Contre, beaucoup de sport. Énormément de sport. De beaucoup d'entretien de soi-même. Beaucoup d'entretien. Ben, voilà, beaucoup d'entretien de soi-même. Beaucoup d'amour aussi. Et ça marche, vous jouez bien les uns les autres, c'est sympa. Tirelire, sauna, limitation, cantona, 4 points. Alors, Charles, vous jouez avec Patricia Loison, 30 secondes, 1 point par mot, je vous en prie. Savoyarde. Fondu. Haleine. Bouche. Réalisateur. Woody. Rouge. Noir. Fleur. Rose. Passe. Nettoyer. Laver. Passe. Fleur. Pivoine. Rouge. Coquelicot. On m'offre toujours des roses. Et alors, quand vous commencez par... Après, chacun sa technique, ça a plutôt bien marché. 3 points sur 5, là, encore. Ouais. Ça fait au total 6, mais pour Woody, commencez pas par Haleine. Bah, oui, dites, oui. Cinéaste, Haleine. Parce qu'évidemment, Haleine, on pense à... Ah, ah. Et oui. Voilà, bien joué, en tout cas. À vous, Michel. Vous avez pour l'instant 4 points et vous avez une manche de retard. Vous allez faire deviner les mots à Bruno Guillon. C'est parti. Église. Cathédrale. Haut. Clocher. Veste. Manteau. Dessous. Chemise. Entre. Pull. Passe. Italie. Rome. Vésuve. Etna. Ville. Sicile. Passe. Désolé. Sport. Athlétisme. Ah, là, ça a moins bien marché. C'était... Oui. Vésuve. Naples. C'était Naples. Naples. Bon. Clocher, un point, ça fait 5 à 6. Tout est dans le jeu, là. Tout est dans le jeu. Alors, de façon à ce que la partie soit bien équilibrée, Patricia va jouer avec vous, Michel, et Bruno va jouer avec Charles. Changement de partenaire. Et c'est maintenant, voilà, la radio qui rencontre la télévision, Fun Radio et France 3. Et maintenant, c'est Bruno qui fait jouer Charles, notre comédien. C'est parti pour 30 secondes. Vous connaissez bien la règle. Tout le monde est... Ça y est, tout le monde est arrivé. Donc, on a commencé déjà depuis 5-10 minutes, là. Hein. Faut être à l'heure, hein, mot de passe. Ça y est, installez-vous. Bien. Oui, l'apéritif. Avec modération. Tranquille. OK. Dites donc, vous n'auriez pas pris un petit coup de soleil, vous, là? Ça se voit, hein? Ah, bah si, je vous vois. Mais oui, si. Oui, non, mais je vous vois, là. Non, attendez, ça vous va bien. Mais, ah, quand même, attention. Protégez-vous jamais entre midi et 16h. Jamais, jamais. Toujours mot de passe le soir vers 19h. Bruno Guillon, c'est parti. Histoire. Géographie. Enfantine. Conte. Presque. Comptine. Ricard. Pastis. L'ermite. Thierry. Mauvaise. Bonne. Calculer. Soustraire. Temps. Chronométrer. Bien joué, bien amené par Bruno.
On n'a pas le droit, calcul est tendre, ouais. Mais c'est vous avec l'apéritif. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est arrivé. Oui, mais je sais, c'est de ma faute. Finalement, c'est de ma faute. Alors, Contine, Thierry, bonne et chronométrée. Bien joué, bien amené, bien deviné. Bien vu, chronométrée. Alors, vous avez 10 points. Et c'est à Patricia de faire jouer Michel, qui a 5 points, mais une manche de retard. Patricia, OK. C'est parti. Animal. Bête. Piquant. Hérisson. Jim. Connors. Rock. Passe. Je passe. Peau. Derme. Doux. Velours. Je passe. Maigre. Gros. Argent. Or. Mensuel. Salaire. Synonyme. Paye. Bien joué, toutes les deux. 3 points supplémentaires, ça fait 8. On est passé à côté de Caresser. Hein, et puis le rock, enfin la musique, c'était Jim Morrison. Vous avez 8 points. C'est à vous d'avoir la main. Ce sont les dernières 30 secondes. Il faut marquer au moins 2 points. 3, ce serait mieux. 4, ce serait vraiment confort. Et 5, alors là, c'est champagne. OK? Décidément. Ah ben moi, tout ça, évidemment, avec modération. Hein. Tout ce qu'on dit, c'est avec modération. Je vous le dis, c'est très important. Vous êtes prête? Oui. À vous. Jour. Nuit. Moi. Sombre. Passe. Bibliothécaire. Livre. Passe. Fermier. Agriculteur. Substantif. Agriculture. Nordiste. Sudiste. Milieu. Centre. Verbe. Centré. Ça marche, centré. 3 points. Ça va être juste. Hein. Le premier, c'était la date. Oui, la date. Le jour, le date, mois, ouais. La date. Et le deuxième, c'était documentaliste. C'était pas évident. En tout cas, bravo, hein. 11 points. Mais il en oh a là 10. Là. Oui, il en a 10, Charles. Et il a une manche de retard. Il faut marquer au moins un point. Vous savez, dans cette émission, Michel, hein, vous la suivez, hein. Oui. Rien n'est jamais gagné tant que ce n'est pas la finale. D'ailleurs, à propos de finale, je ne vous l'ai pas dit parce que je n'aime pas trop en parler, mais je suis bien obligé quand même de vous dire que l'un des deux va pouvoir prétendre à la somme de 50 000 euros. Charles, 30 secondes, les 30 dernières de votre jeu de qualification. Il faut marquer au moins un point et plus 6 affinités avec Bruno Guillon. Ring. Box. Gloire. Beauté. Fierté. Prestige. Passe. Clermont. Ferrand. Région. Auvergne. Sortir. Rentrer. Passe. Ah oui. Passe. Paupières. Ah oui. Et oui, le mot revient évidemment dans les 30 secondes. Vous avez joué... Honneur et phare. Ah, phare, F-A-R-D, le maquillage. En tout cas, 3 points, ça fait 13. 13, ça veut dire que vous êtes le finaliste. Est-ce que vous voulez faire de la télévision encore un petit peu? Ah oui, bien. Venez là. Venez à ma place. Ah, voilà. Tenez là. Installez-vous là. Il y a devant vous, installez-vous confortablement, ça va, vous êtes bien ? Oui, oui, ça va. Il y a devant vous donc une caméra, oui. La grosse caméra là, et vous allez lire ce qu'il y a dessus, d'accord ? D'accord. D'accord. Vous voyez bien, tout va bien ? Oui, oui, tout va bien. Voilà, allez-y. Chez vous aussi, vous pouvez jouer avec nous et tenter de remporter la voiture mise en jeu cet été ou un chèque de 15 000 euros. Il vous suffit de trouver le bon mot. Les indices sont chaussures, plage, bride. Alors, d'après vous, quel est le mot de passe ? Est-ce Tong, Santiago. 1, Tong, 2, Santiago. Pardon. Je vous rappelle les indices, chaussures, plage, bride.
envoyez votre réponse, un ou deux, par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses. Passons tout de suite à la finale. Bravo. Voilà. Je vous en prie, allez vous mettre en place. Moi, je dis que cette finale va avoir lieu avec Bruno Guillon qui a apporté le plus de points à Charles et que il est temps de laisser place à la nouvelle génération. Voilà, il s'appelle Charles, c'est le premier finaliste donc avec Bruno Guillon. On va regarder immédiatement la pyramide des gains. Je rappelle que vous êtes comédien, que vous avez 31 ans, que vous êtes célibataire et que peut-être qu'avec 50 000 euros, les choses vont changer. Alors, 1000 euros, 5 mots sur 9. 2500 euros, 5 mots sur 8. J'ajouterai évidemment que 2500 euros, si cette somme est atteinte, elle sera la vôtre. Quoi qu'il en soit par la suite, 5 000 euros, c'est 5 mots sur 7. 10 000 euros, c'est 5 mots sur 6. Et 50 000 euros, c'est 5 mots sur... Restez bien concentrés, décontractés mais concentrés. Ouais. Trois indices. Pas un de plus. Vous allez avoir 1 minute 30. Quand vous passez un mot, Charles, en finale, le mot ne revient pas. Ouais. Vous qui êtes comédien, pas de mime, mais on peut interpréter le mot. Car ça aide votre partenaire à le deviner. Voici 5 mots sur 9, 1000 euros, c'est parti. Latitude. Longitude. Fort. Maigre. Contraire. Épais. Fort. Gros. Autant pour moi. Camembert. Fromage. C'était faible. Aikido. Judo. Arrivée. Départ. Tante. Oncle. C'était faible. Et voici les 1000 premiers euros. C'est sur fort. Oui, fort, contraire, faible. Ouais. Autant pour moi, là, c'est ma faute. Mais ouais. Bon, voilà, c'est une chose de faite. Généralement, après, on va plus loin. Vous avez la possibilité de partir avec ces 1000 euros ou alors de les remettre en jeu pour arriver au palier de 2500. Que faites-vous, Charles? J'hésite, mais je pense que je vais partir pour 2500 euros. D'accord, ok. Allez. 2500 euros et la possibilité après d'aller plus loin et d'avoir le joker. Tout de suite, c'est 5 mots sur 8. 3 erreurs possibles, 1 minute 30, pas plus de 3 indices. On est bien concentré dans le jeu. Allez, bonne chance. Crawl. Nage. Dos. Papillon. Autre. Natation. Voyage. Vacances. Mannequin. Modèle. Campbell. Naomi. Nage. Crawl. Chaussette. Palme. Bouge. Dents. Arme. Revolver. Maîtriser. Armurier. Passe. Ouais, bon. Pâtissier. Boulanger. Propriétaire. Locataire. On arrive à 2500 euros avec vacances. Naomi de Naomi Campbell, Palme, Boulanger et Locataire.
Voilà une chose qui est faite, les applaudissements du public. C'est dur, c'est dur, merci. Que fait-on? 5000 euros, c'est sûr, puisque vous ne risquez rien, puisque vous avez 2500 euros d'acquis, avec ou sans joker? Je pourrais penser... Non, sans joker. Sans joker. Ouais, sans joker. Restez bien, Charles, dans le jeu, bien concentré, c'est important. 5000 euros, donc, à jouer. Quoi qu'il en soit, vous avez déjà gagné 2500, et c'est une chose qui est acquise définitivement. Vous jouez donc avec Bruno, c'est 5 mots sur 7. Deux erreurs possibles, pas une de plus, toujours trois indices. Quand vous passez un mot, deux en l'occurrence au maximum, le mot ne reviendra pas et vous aurez 1 minute 30. On est d'accord? Ok. On y va. Naître. Mourir. Fleur. Rose. Okay. Épanouir. Éclore. On continue. Ah. Abstrait. Concret. Portable. Mobile. Autre. Téléphone. Fixe. Téléphone. Acteur. Chanteur. Marchand. Guy. Appeler. Répondre. Général. Ailé. Portable. Téléphoner. Bol. Tasse. Roquette. Saladier. Bravo. Doigt. Main. Pied. Membre. Pied. C'était orteil. Orteil. Voilà, et vous ne pouviez plus vous tromper puisque vous aviez déjà commis deux erreurs. Vous avez gagné la somme de 2500 euros. On va retrouver Bruno et Patricia Loison dans un instant pour la deuxième manche de mot de passe. Vous qui nous regardez, vous pouvez jouer donc et tenter de remporter soit un chèque de 15 000 euros, soit une voiture. Il vous suffit de trouver le bon mot. Voici les indices: chaussures, plage et bride. Alors d'après vous, quel est le mot de passe? Est-ce un Tong ou deux Santiago? Je vous répète les indices: chaussures, plage, bride. Envoyez votre réponse en O2 par SMS au 7-10-20 ou alors si vous préférez vous téléphoner au 32-43. Un tirage au sort bien sûr sera effectué parmi les bonnes réponses. Alors là, je peux vous dire qu'elle s'appelle Chloé, qu'elle est jolie comme tout, qu'il s'appelle Serge, qu'il est sympa comme tout. Ce sont les deux prochains candidats de mot de passe. On les accueille. Toujours avec Patricia Loison, toujours avec Bruno Guillon. Applaudissez Chloé et Serge. Allez, on est toujours dans mot de passe. C'est la deuxième mi-temps, Chloé. Vous êtes toute jeune, vous habitez Créteil. Et puis, vous faites partie d'un club de badminton? Tout à fait, oui. Je suis badiste. Voilà. On dit badiste? On dit badiste. Ah bah tiens, je ne savais pas. Ça veut dire que vous faites des compétitions de badminton? Voilà, tout à fait. Et vous avez une sœur? Jumelle. Jumelle. Êtes-vous sûr que c'est bien moi ici? Bah, je ne connais pas l'autre, hein, donc si vous voulez, on va dire oui, hein, présentez-moi votre sœur, puis après on verra. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui vous différencie? Elle avait un petit grain de beauté, elle l'a enlevé, alors on est pareil. Vous êtes mariée? Non. Et elle? J'ai un copain, elle a un copain. D'accord. Et c'est pas le même, hein. C'est pas le même, non. D'accord. Bruno, êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr? Alors, Serge est là avec nous. Serge habite dans le Gard, à Aubord. C'est ça. Aubord, A-U-B-O-R-D. Tout à fait. Comme on appelle les habitants d'Aubord? Les Aubordois. Les Aubordois. Je connaissais pas cette ville. C'est près de quelle grande ville? Oh, c'est Nîmes. C'est un petit village à côté de Nîmes. Ah, d'accord. Ok. C'est au bord de Nîmes, en fait. Au bord de Nîmes. Voilà. Très bien. On fait une radio tous les matins à la rentrée, 6h, 9h. Hein, ça ne s'apprend pas. Il l'a dans le sang. C'est comme ça. Avec Florian Gazan. Alors, maintenant,
Vous allez jouer tout de suite avec Patricia Loison, que vous suivez certainement sur France 3 le soir pour le journal. Elle est là. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir pour nous. Et alors donc, 30 secondes, les 30 premières secondes. Au terme des manches de qualification, il y aura évidemment une somme à gagner, la somme de 50 000 euros. Notre premier finaliste tout à l'heure, Charles, a gagné les 2500, le palier. Maintenant, on est au début, 30 secondes, un point par mot. C'est parti. Sacre. Bénédiction. Roi. Couronnement. Napoléon. Je passe. Jambon. Cochon. Fromage. Charcuterie. Déjeuner. On va dire que c'est un petit début. Hein, le premier, c'était empereur, que cherchait donc Patricia. Et le deuxième, c'était sandwich. Lord Sandwich qui a inventé le sandwich parce qu'il était joueur et qu'il ne voulait pas se lever de table. Et donc, il voulait continuer à jouer tout en mangeant. Ah ben, moi, le peu de culture, ah, je l'étale, hein. Alors, tu comprends. J'étais persuadé que c'était Michel Casse-Croûte, moi, comme quoi. Non. Michel Casse-Croûte, ça a été son. Non, mais c'est pas faux. C'est un gars qui a essayé d'adopter ça après, mais. Bruno va faire jouer Chloé. C'est parti, 30 secondes. Pandi. Ah ben oui, je suis bête, bien sûr. Évidemment. Voiture. Autobus. Réparation. Garage. Oui. Nana. Homme. Chanteuse. Passe. Grèce. Je passe. Vendeur. Acheteur. Livre. Libraire. C'est pas possible. Regarder. Admirer. C'est pas mal, comme ça, ça laisse le jeu avec beaucoup de suspense. 1 point, 1-0, 1-0, 0-1. Alors, on va quand même regarder les interdits pour Bruno. Tous fait. Oui. Alors, pas de mots composés, bon, ça va. Pas de mots de la même famille. Bien sûr. Pas de mots qui commencent par le même son. Pandi, panda. livre, libraire. Pas de mime. Sinon, on entend. Voilà, j'espère qu'on ne l'entendra pas. Ça fait 1 point pour vous, Chloé. Pas beaucoup pour Serge. J'ose pas le dire parce que ça met le moral en bas, quoi. Alors, c'est parti donc pour Serge qui va faire jouer Patricia Loison. Cafetier. Tabac. Lieu. Bar. Autre. Café. Pareil. Restaurant. Passe. Acteur. Bourville. Francis. Huster. Manche. Bois. C'était ça? C'était levier, le manche, le premier mot. Ah, j'ai compris, c'est... mange. Ah, d'accord. C'était manche, donc levier. Le premier mot, c'était bistrot. Qu'il recherchait. Et donc, Francis Huster, ça fait un point. Mesdames et messieurs, 1-1. Venez assister au grand spectacle des points de mot de passe dans votre ville ce soir. Les plus petits points. Bon. On peut partir ou pas, Patrick? Non, vous restez. Ah, vous restez. Non. Ah, là, vous restez. On dîne ensemble après. D'accord. Ah, non. En été, on se fait un petit dîner. Enfin, mange ceux qui marquent des points. Les autres regardent. Alors, Chloé, à vous de jouer. C'est vous qui faites deviner à Bruno Guillon. Marceau. Sophie. Film. Étudiante. Fête. Boom. Passe.
Risoli. Philippe. Prix. Juste. Brosse. Peigne. Autriche. Allemagne. Capitale. Et puis alors là. Vienne. Vienne, bien sûr. Et après, elle voulait viennois, ouais. Chloé. 3 points supplémentaires, ça fait 4. Eh, doucement, 4. Oh, eh. Oh. On ménage le suspense. Doucement, là, tout d'un coup, vous vous envolez. Non. Calme, calme. Changement de partenaire. Allez, c'est Patricia qui va jouer avec Chloé. Et c'est Bruno qui va jouer avec Serge. C'est reparti, 4-1, ce qui veut dire que tout est à jouer. C'est maintenant que vous allez jouer, car jusqu'à présent, ils n'ont pas montré leur vrai talent. Oui. C'est une technique. Je confirme. Bruno, fais jouer Serge. Endroit. Lieu. Enregistrement. Studio. Animateur. Présentateur. Place. Je passe. Début. Fin. Substantif. Finalité. Adverbe. Finalement. Ouais. Électeur. Votant. Action. Voter. Ça y est. On est dans le jeu, ça fait 3 points supplémentaires. L'animateur, c'était Nagui. Donc il commençait par place, après peut-être monde, enfin voilà. De toute façon, bravo. D'accord. Ça fait 4 points. Maintenant, c'est à vous, Chloé, de recevoir les mots à 10 de Patricia Loison. C'est parti, donc vous avez déjà 4 points et une manche de retard. Maison. Toit. Pendaison. Crémaillère. Margaret. Thatcher. Roman. Dumas. Vent. Non. Scarlett. Johansson. Je passe. Piqûre. Seringue. Sang. Hémoglobine. Vaisseau. Veine. Autre mot. Présent. Passé. Optimisme. Mais ça, c'est après les 30 secondes pessimisme. Même si on était optimiste, on pourrait pas vous l'accorder. Ça fait 2 points supplémentaires, ça fait 6. Alors, veines et vaisseaux, on entend le même son. Ouais, c'est vrai. Donc ça, on est obligé de biper. Puis alors, Mitchell, chacun a sa méthode, hein, la preuve. Parce qu'il y a également rocker, Eddie. Mitchell. Ah oui, c'est vrai. Moi, voilà. J'étais dans mon truc. Voilà. Non, non, mais chacun a sa méthode. 6 pas, en l'occurrence, à 4. Non, 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 elle aurait pu marcher. Hein. Ouais. Donc, alors, Serge, vous avez 4 points. Voici les 30 dernières secondes de jeu. Et c'est maintenant que vous devez vraiment jouer. On a bien compris que jusqu'à présent, d'accord. Mais maintenant, vous allez jouer. Allez, bonne chance. Muscle. Ligament. Achille. Talon. Ouais. Ok, c'est bon. Muscle. Tendon. Ouais. Coudière, genouillère, presque, brassière, je passe, acteur, Michel, Mel, pardon, Mel, Gibson. 2 points supplémentaires, ça fait 6, mais bravo pour ton don, hein, parce que vous l'avez bien amené, franchement c'était bien joué, rien que pour ça, ça valait le coup de jouer, vous avez donc 2, ça fait 6. Chloé a déjà 6 points. Il suffit d'un point pour aller en finale. Faut-il encore le marquer, faire deviner un mot, donc sur les 5 proposés à votre partenaire, Patricia Loison. C'est parti, la ville de Créteil vous regarde. Robe. Jupe. Dessous. Gaine. Presque. Combinaison. Passe. Portée. Emmener. Naissance. Bébé. Passe. Passe. Vodka. Alcool. Avare. Généreux. Jupe. Sans. C'est jupon. Bravo, l'alcool, en l'occurrence, vous a rapporté 1 point. Généreux également, 2e point. Avec 8, vous êtes la finaliste.
Bon, Serge, vous garderez pas un mauvais souvenir de nous, j'espère. Non, moi, c'était très bien, j'ai passé un bon moment. Bon, et en tout cas, merci pour cet accent chantant. Patricia va jouer avec vous la finale, puisqu'elle vous a apporté le plus de points dans quelques instants. Donc attention, car c'est sa première finale. Ça va, Patricia ? Moi, je vais être plus stressée que Chloé, mais je vais donner le maximum pour qu'elle... Dans un instant, donc une finale à 50 000 euros, mais une voiture que nous vous proposons ou un chèque de 15 000 euros. Il vous suffit de trouver le bon mot. Voici les indices: chaussures, plage et bride. Alors, d'après vous, quel est le mot de passe que nous recherchons? Est-ce un Tong ou deux Santiago? Envoyez votre réponse en O2 par SMS au 7-10-20 ou vous téléphonez au 32-43. Allez, on l'a fait cette finale? Vous en avez envie? Oui. Vraiment, hein? On va tout donner. Non, mais vous avez envie, vraiment? Oui, Patrick. Vous allez. Le feu, tout ça. La gnaque. La gnaque, c'est maintenant. Voilà donc Patricia Loison face à Chloé, notre deuxième finaliste, après Charles tout à l'heure. Comment s'appelle votre sœur jumelle? Marion. Et là, elle vous regarde à la télévision. Évidemment. Alors, on va regarder la pyramide des gains. 1000 euros si vous faites deviner à Patricia Loison, dont c'est la première finale. 5 mots sur une liste de 9. 2500 euros, vous connaissez bien l'émission, c'est 5 mots sur 8. Et en plus, si vous arrivez à cette somme, ce que je vous souhaite évidemment, comme Charles tout à l'heure, eh bien, ce sera à vous, quoi qu'il arrive. Et vous pourrez utiliser également un joker. Bien utile dans ce jeu, croyez-moi, ma chère Chloé. 5000 euros, c'est 5 mots sur 7. 10 000 euros, c'est 5 mots sur 6. Et si vous voulez nous prendre les 50 000 euros, c'est avec plaisir. Il faudra faire prononcer à Patricia Loison 5 mots sur 5. Pour cela, évidemment, 1 minute 30, donc beaucoup plus de temps que dans les épreuves de qualification. Pas plus de 3 indices pour faire prononcer un mot. Un indice, peut-être 2, mais pas plus que 3. Et si vous passez un mot, le mot ne revient pas. D'accord ? Très Allez, bien. Bonne chance, Chloé. Merci. 1000 euros, 5 mots sur 9. Haine. Amour. Inférieur. Supérieur. Vivre. Mourir. Bonus. Malus. Blancheur. Noirceur. Bravo. Voici les 1000 premiers euros. Amour supérieur, mourir, malus, noirceur. C'est parfait. C'est pas trop compliqué, ça peut vous rapporter déjà 1000 euros, ça vous les rapporte. Vous pouvez partir avec ces 1000 euros ou alors les remettre en jeu pour atteindre le palier de 2500. Que faites-vous, Chloé? Je continue. D'accord. 2500 euros, donc, 5 mots sur 8. On vous souhaite bonne chance. Ramasser. Prendre. Fleur. Cueillir. Substantif. Cueillette. Partir. Arriver. Contraire. Quitter. Stationner. Garer. Logo. Marque. Bottin. Annuaire. Passe. Été. Hiver. Général. Saison. Acteur. Patrick. Georges. Clounet. Voici 500 euros par mot trouvé. Cueillette, marque, annuaire, saison, Clounet, ça fait 2500 euros. C'est plutôt pas mal joué. Que fait-on? Va à 5000 avec le joker ou sans? Je prends pas le joker. Pas le joker, d'accord. Alors, 5000 euros, c'est 5 mots sur 7. Tout le monde joue à mot de passe du lundi au vendredi entre 19h et 20h. Mais Chloé,
sans sa sœur jumelle, qui s'appelle Marion, qui la regarde, peut gagner maintenant 5000 euros. Va-t-elle y arriver? C'est 5 mots sur 7. Eh bien, c'est dans le prochain épisode. Et le prochain épisode, c'est maintenant. Escalator. Autre mot. String. Culotte. Postérieurement. Antérieurement. Comptine. Chanson. Oui. Histoire. Comptine. Chansonnette. Latin. Grec. Miser. Parier. Mensonge. Vérité. Bravo. Bravo, ça marche. Bravo. Non, bravo à toi, bravo. C'est bien. Bravo. 5000 euros. Ça marche. On a bipé escalator parce que escalator, c'est de la même famille qu'ascenseur. Ascenseur, c'est ce que nous cherchions. Et puis de la comptine. Pourtant, hein, attention au mime. Voilà. Parce que là, comptine, comptine. Allez, 5000 euros. Que fait-on? Je vais prendre le joker. D'accord. Ça me semble sage. Alors, on va regarder donc le joker demandé. Les 5 premiers mots de la liste pour 10 000 euros qui en comprend 6. Prenez votre temps, il en reste un évidemment qu'on ne vous a pas montré. Vous avez pour l'instant dans votre poche 5000 euros jusqu'au moment où vous me direz je joue 10 000, auquel cas, si ça ne marche pas, il vous restera 2500 euros. Le public, qui dit quoi le public? J'arrête. Vous arrêtez. Bravo. Venez avec moi, Patricia, ici. Chloé, là, à côté de moi. Charles vient nous rejoindre. Bruno, dans un instant. Vous avez bien joué, hein? Quand même. 5000, 2500. Avec Patricia Loison, qui présente, comme vous le savez, chaque soir sur France 3. Mieux qu'elle ne joue, hein. Non, mais attends, mieux qu'elle ne joue. Je trouve ça formidable d'être un venu jouer. Je suis super contente pour Chloé, ça me fait très plaisir. Il y a 5000 euros. C'est une première finale. Bruno, vous le retrouvez avec Florian Gazan à la rentrée sur Fun Radio entre 6h et 9h. Bravo à tous les deux. Merci. Hein, deux jeunes, un comédien, une graphiste, voilà. Moi, deux jeunes, un journaliste, un animateur et un qui est entre. Voilà, alors, France2.fr. On se retrouve bientôt, on sera là. Bonne soirée. Dès maintenant, réagissez sur le forum sur France2.fr.